Wall-M Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. Wall-M Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Salut tout le monde et bienvenue au show des bras, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous êtes curieux de savoir jusqu'où vous pouvez vous développer sans vous faire varloper, à faire des exos ridicules, prescrits par un incrédule. Alors, bien le bonjour à tous et bienvenue au show des bras. Yes, sir, tout le monde. Alors, mon Dieu, je dis bonjour à tout le monde, Canada-Europe. On s'entend là-dessus. Claudius Malucinus, caméraman très dévoué. Bonjour, bonjour, monsieur le régisseur. Bonjour, Annette. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. L'équipe du show du Pro est toujours avec moi de toute façon. Donc, et nous sommes directement live du gym Olympe, gym semi-privé 3055 Boulevard Amel, local 114, la seule vraie place à Québec pour vous entraîner. J'ai rencontré après-midi mon comptable. J'étais avec Nils, mon partenaire. Puis, il a dit quelque chose qui m'a titillé un peu au sens qu'il m'a dit, moi, si je suis quelqu'un qui connaît pas ça, puis je veux me faire encadrer, puis je commence dans ce monde-là, puis j'ai aucune idée de ce que je m'en vais faire. Est-ce que votre salle est un bon endroit? Regardez, vous êtes chez nous suivi, encadré, OK? C'est personnel, c'est semi-privé. Vous êtes comme chez vous, vous faites les choses à votre rythme. Vous mettez pas votre nom sur une machine pour l'avoir. Vous avez pas une restriction de faire du cardio pendant 30 minutes. C'est pas comme ça que ça marche chez nous. Ici, c'est une grande famille. Tout le monde travaille ensemble. Et le gars, lui, est complètement extérieur à ça. Et ça lui disait quelque chose. Alors, si vous voulez avoir un bon service, si vous voulez avoir un lieu qui est agréable, un endroit qui est motivant, c'est surtout très important. Puis un endroit auquel vous allez vous sentir chez vous, accepté. Que moi, je vous aime tous comme vous êtes, hein, mais si vous en avez un petit peu plus à enlever ou un petit peu plus à rajouter, c'est pas un problème. Alors, vous serez vraiment à la bonne place, le Gym Olympe, la seule vraie place à Québec où est-ce qu'on peut s'entraîner, même avec de la craie, même avec une camisole, même avec des bottes à cap, mais... Non, monsieur le régisseur, pas tout nu, là, personne ne s'entraîne tout nu ici, il y a tout bien des limites quand même, là, bon, à un moment donné, là. Ben là, tu sais, à un moment donné, c'est wow, tu sais, bon, en tout cas, du moins, il y en a fait qui est sûr, c'est qu'on n'est pas les tout nus. Et on vous attend. Yes, sir. All right. OK. Alors, cette semaine, ce que j'ai fait, la petite capsule, écoutez, c'est l'automne qui s'en vient. Nous autres, les Nord-Américains, pour nous autres, c'est ce qu'on appellerait quand on commence à rentrer dans la saison de viande. Comprenez? Alors là, nous autres, vu que l'été est passé puis la température a commencé à baisser un peu plus, on commence à s'habiller un peu plus et notre métabolisme est vraiment fait beaucoup plus pour encaisser ce type de température-là et on tombe dans une période de l'année où on peut se permettre de manger un petit peu plus pour faire un petit peu plus de muscle. Alors, c'est la saison à laquelle on va aller forcer. Alors, important de savoir qu'à cet instant de l'année, on va fabriquer du muscle avant de se définir pour être plus tracé et on a des exercices en conséquence tels que je vous l'avais promis. Bon, écoutez, j'ai sorti 10 exos de base essentielles incontournables. Bon, je me suis permis d'en rajouter deux autres. Tu sais, quand même, je n'étais pas capable de faire autrement. Tu sais, je voulais bien faire. Je voulais faire quelque chose qui était vraiment... Bon, écoutez, il y a des choses qui sont incontournables. Donc, du moins, on va y aller avec ça. Très important, très important. Le nombre d'abonnés au gym augmente. Le nombre de gens qui s'abonnent à notre training à 8,99 augmente. Hey, arrêtez pas, s'il vous plaît. Allez-y, 8,99 par mois, c'est une vraie joke. C'est même pas un 30 sous par jour. OK? Et j'ai vraiment des gens qui m'avouent avoir mangé toute une volée à 8,99. C'est quand même relativement bon. Il y a des clubs de... On n'embarquera pas là-dedans. OK, parfait, c'est bon. Non, c'est parce que ça me fait penser à une de mes chums qui travaille dans un bar de... En tout cas, peu importe. OK. Bon, donc du moins, hein? Oui, j'ai le droit? Oui, c'est bon. OK, parfait. OK, fantastique. OK. Donc, très important avant de commencer. Le 9 et le 10, cette année, décembre 2017, les réservations, billets d'avion sont faites, tout, etc. Je m'en vais rejoindre Alex Maréchaux à Besançon pour ma conférence. Le 9 et le 10, j'aurai deux conférences à donner, principalement, et je vous donne mes sujets, je peux vous les avancer, OK? C'est vraiment la motivation à vous entraîner, OK? Donc, j'aurai toujours une partie qui est une partie théorique et une partie qui va être une partie pratique. OK, je me permettrai même de choisir des gens au hasard et de vous faire essayer des choses, même de vous faire faire du training privé. Ouais, pas de trouble, passez, c'est M. Jérémy lui-même, yeah, c'est son collègue de travail. Yeah, c'est voilà, au Gym Olympe, il y en a pour tous les goûts, et voilà.
OK. Donc, du moins, le 9 et le 10 de décembre, cette année, je descends à Bessence. En 2017, là, c'est cette année, là, OK? C'est vraiment cette année. Personne n'hallucine, c'est bon? Et Training 899, sérieux, allez-y, allez voir le site. www.marc-antoine-gronin.com. L'administrateur de réseau est encore en train de me changer tout ça. Là. Je ne sais pas ce qu'il y a, cet administrateur-là. Là. Il aime ça faire du neuf aux deux mois. Là. Il rechange tout le site, là, puis il rechange tout ça. Là, puis il veut que ce soit beau, que ce soit bien. Bon, écoutez, je n'y reproche pas, moi, de toute manière, je le paye en nature, fait qu'il est toujours bien content, puis il ne m'ostine pas. Bon, et voilà. Puis moi aussi, je suis super content, alors ça nous rend heureux. Voilà. Donc, OK, quand on veut développer un physique, obligatoirement, il y a des choses qu'on se doit de faire et malheureusement, on doit se commettre, OK, avec certains types d'exercices. Moi-même, je me suis obligé à faire quelque chose parce que je vous dirais que je veux absolument changer la configuration de ma cuisse, même si elle n'est pas mauvaise du tout. Ça a toujours été un point qui est relativement assez fort sur moi, mais c'est quelque chose que je veux continuer à développer. Et je me suis rendu compte avec les années que le squat était capable d'élargir mes hanches et de faire vraiment de mon fessier un muscle qui était vraiment plus fort et plus gros. Okay. Par contre, d'un autre côté, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça ne cible pas ma jambe comme telle et je ne dois pas être le seul athlète, le seul bodybuilder, bon, peu importe, le seul bikini fitness, bon, name it, là, qui veut aller vraiment chercher plus de gaz dans sa jambe. Alors, exo numéro un, je me suis moi-même imposé le défi « One year front squat ». Alors, depuis cette année au mois de mars, je ne fais que du front squat à toutes les séances de jambes, que ce soit en force, que ce soit en endurance, que ce soit en finition, que ce soit en réchaud, le front squat. Le front squat, pourquoi? Quand vous avez la barre sur vous et vous la sortez directement du rack, on parle de point d'attache. On va parler au niveau des pieds. Moi, j'ai eu une formation avec les gars de l'Institut IP. Salut Mathieu, soit dit en passant. J'ai trouvé ça vraiment relativement intéressant, mais je vous dirais, c'est sûr que ces gars-là, quand ils vous parlent, sont un peu... sont un peu fantasmes au sens où est-ce que faut être très ouvert d'esprit quand vous écoutez ces gens-là vous parler parce que ils vont vous arriver avec un paquet de petits détails auxquels vous n'avez pas pensé. Tu sais, comme exemple, Mathieu, il me parlait de ça. Il dit, quand tu es un enfant puis tu rampes au sol, le premier contact qui se fait, c'est pouce avec les gros orteils, etc. Bon, eux autres, tu sais, ils reculent loin, là. Mais tu sais, il prend la peine de tout expliquer son principe. Puis c'est d'une brillance, ma foi, assez remarquable. OK? Donc, ils m'ont suggéré de faire une chose. Moi, je suis un culturiste, ça fait 38... hey, je suis déjà rendu à 45, mais fuck. OK. 18, 28, 38. Ça m'en prend deux. Yes. Donc, je suis en train de faire ma... J'ai 27 ans d'entraînement cumulé depuis le 23 avril cette année. Et là, je suis en train de rouler carrément ma 28e. Bon, voilà. Donc, même après autant d'années, OK, de tests, d'expérience, etc., le principe étant tel que ils m'ont dit, écoute, enlève tes souliers quand tu fais du squat. Bon, je trouvais ça un peu anodin. Je vous dirais, bon, OK, si vous mettez des souliers, vous aseptisez le feeling que vous avez, OK, par rapport au corps. La transmission neuronale de vos pieds directement en influx nerveux au cerveau. OK, donc, ce qu'on fait, on enlève les souliers. Peut apporter deux choses. Soit vous allez gagner en équilibre, OK. Moi, ça ne m'a pas fait ça du tout. Personnellement, tu sais, Mathieu m'a dit, ça se peut que ça ne te le fasse pas. Toi, tu es un culturiste expérimenté, ça se peut que ça ne le fasse pas. Il dit, par contre, au niveau du ressenti dans ta jambe, ça se peut que le feeling soit meilleur. Et je vais vous dire une chose, ils ont raison. OK? Alors, le front squat, ce que je vous conseille, pas de souliers. Deuxièmement, une chose que moi, j'ai appris moi-même avec les années, que je fais depuis des années, quand je prends mon stance de pied, je le mets au sol. OK? Mes pieds sont parfaitement ajustés, légèrement un peu à l'extérieur de mes épaules, les orteils tournés légèrement vers l'extérieur. Et quand je suis bien placé avec la barre directement là, okay, ça, je suis correct, ça va, c'est bien? Oui, comme ça, c'est bon, c'est mieux? Oui, c'est bon, c'est bien, M. le caméraman, parfait, c'est bon, sinon je vais avoir l'air d'un nain de jardin, bordel. Là. OK, c'est bon, parfait. Faut pas que j'aie l'air d'un nain de jardin jusqu'en Europe, hein, c'est pas bon. Hein. Tu sais, avec un chapeau, là, t'en veux pas de ça, OK, bon, c'est bon. Donc, du moins, le deal là-dedans, non, je ris pas de toi, que t'as pas, je ris de moi, c'est bon, c'est ça, yes, j'ai le droit. Yep, buddy! Donc, oui, on revient, hein, c'est bon, OK, parfait. Je t'ai rendu où, moi? Je t'ai rendu front squat, c'est bon, parfait, OK. C'est ça, bon, right. OK, voilà, voilà, bon. Donc, le deal là-dedans, c'est que moi, je fais ça depuis des années. C'est ce que j'appelle un principe d'innervation. Quand mes pieds sont placés au sol comme il faut, ça, ça revient au temps de Wader, ce qu'on appelle le stationary principle. Tu t'installes, tu mets tes pieds, ou bien, bon, peu importe c'est quoi l'exercice, et les pieds au sol avec les orteils, clic, t'agrippes le plancher avec tes orteils, puis tu te soudes, OK? Alors, on décortique le mouvement. On part du sol, la plante des pieds, la voûte plantaire complète. OK, yes, yes, salut, boys. Salut, Kylian, bonne fin de journée.
Training comme bien été, gars? Quand même, ouais, solide, solide, parfait, parfait. Bonne fin de journée, les athlètes. Yes, all right. Donc, du moins, on part d'en bas, la plante des pieds, la voûte plantaire, OK, est en interactivité. Musculature au niveau du pied, plus qu'essentiel pour un bodybuilder, OK. On monte, on arrive directement au mollet, parce que le mollet te tient debout, tu n'auras pas le choix. Puis c'est lui qui va vraiment faire le slinky avec le genou. OK, ensuite, vaste interne, externe, toute la cuisse, le bicep fémoral, tout le bicep de cuisse au complet. Fessier, tout le bas de corps est activé. La barre est placée directement sur les épaules. OK, levez les coudes pour que la barre ne rentre pas dans l'articulation. Il y en a qui disent que ça fait mal. Je vais vous donner un truc. OK, souvent, je prends une serviette, OK, je la mets chaque côté de moi et je la plie en double. Clic, je la mets sur moi. Très confortable, très agréable, pas d'inconvénient. OK? Quand vous mettez la barre sur vous, bon, il y a différentes méthodes. Il y a des gens qui vont utiliser le fait d'avoir une prise comme un haltérophile. Alors, la main est placée comme ça avec le pouce en dessous. Moi, personnellement, je ne suis pas capable. OK? Moi, je vous dirais, je n'ai pas assez de flexibilité pour ça. Puis, je vous dirais aussi, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est... Bon, quand vous avez 20 ans, c'est peut-être bien drôle, OK? Mais 30 ans, 40 ans, 50 ans, là, on dirait que, tu sais, les joints, ils chassent, OK? Puis, la flexibilité n'est pas bonne. Au cas du moins, elle est moins qu'elle était. Puis, à long terme, c'est sûr que vous allez provoquer des problèmes. Donc, les mains renversées comme ça ou avec le pouce ou... Je ne vous dis pas que ça ne se fait pas. Si vous êtes à l'aise, faites-le. Mais un jour ou l'autre, c'est sûr que vous allez changer votre méthode. OK? Parce que c'est très agressif. D'un autre côté, si vous prenez la peine, oh mon Dieu, on m'apporte un outil ici. Ben, mon Dieu, fantastique, merveilleux. Yes, monsieur le caméraman, merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Mon Dieu, j'ai... Ben là, écoute, ben, je ne suis pas un frappé, chose. OK, donc, quand je m'en vais chercher ma barre à l'intérieur du rack, voyez ce que je fais. OK? Je mets carrément mes pouces en dessous. Je place la barre directement sur le dessus de mes épaules et je lève les coudes relativement assez haut. La barre est toujours placée relativement très proche au niveau de ma gorge. Je vais vous montrer quelque chose. Je serais capable de faire ma série comme ça, mais je ne respirerai pas. Bon, OK, right, OK. Donc, le best, levez les coudes toujours très haut, gardez toujours la barre directement sur les épaules. Salut Eric, bonne fin de journée. Et gardez toujours, yes mon homme, gardez toujours le corps parfaitement droit. C'est super important, OK. Ne baissez pas les coudes. Si vous baissez les coudes, OK, quand vous allez faire le front squat, yes, monsieur le caméraman, merci beaucoup. Yes, yes. Si vous baissez les coudes à ce moment-là, vous allez provoquer une pression, OK, directement au trapèze ou dans votre dos qui ne sera pas bonne. C'est pas ce que vous allez chercher, ça devient trop dangereux. OK? Vous mettez la barre sur vous, vous glissez les pouces en arrière, ce qu'on appelle prendre, moi j'appelle ça comme ça, c'est une grippe pharaon. Alors mes pouces sont en arrière, mes mains sont directement sur le dessus. Je lève les coudes, je contracte le deltoïde très fort, la barre est directement placée sur le deltoïde. À partir de là, les coudes sont hauts, je regarde toujours en avant. Quand vous descendez, le front squat, yes mon Ben, ta ceinture est en arrière de moi, OK? Donc, oui, c'est les gars du Nick Media, c'est les gars qui font notre pub, donc je vais vous profiter pour vous en parler. Salut Guillaume, yes, ça va? Salut Ben, yes, ta ceinture, tu l'as encore oubliée, fait qu'elle est là. Yes, mais je te l'ai gardée, je ne l'ai pas volée. Hein? De toute manière, il est trop petite taille, elle ne me fait pas, qu'est-ce que je te dis? C'est pas parce que je n'aurais pas voulu. Donc, du moins, c'est une petite blague à part. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, quand vous faites le front squat, vous ne descendez pas à moitié, OK? Prenez un bon stance de pied. Tout le corps est parfaitement placé, tout le bas de corps est en innervation, les érecteurs du dos vont travailler, le fait de garder la barre sur vous, le pectoral est en tension, le biceps se contracte, le trapèze inférieur 1 et 2, le milieu du dos, les rhomboïdes, les omoplates, tout est en interactivité. C'est un exercice de base qui sculpte le corps au complet. Et c'est pas dur à prouver, c'est d'ailleurs, d'après moi, un des exercices qui, dans les 50 dernières années, dans toutes les salles de musculation, tout confondu, est l'exercice le moins choisi parce que la majeure partie des gens trouvent ça trop difficile. Mais c'est un mass builder de base, OK? Et pour des gens même qui ont des problématiques de dos, qui me disent « ben moi, squatter, j'ai des inconforts », ou on observe que le sujet a une lordose au niveau du dos, alors un creux qui est peut-être anormalement, je vous dirais peut-être un petit peu plus prononcé, le front squat est salvateur parce qu'il va vous permettre d'aller vous asseoir. Mais quand je vous dis vous asseoir, là, vous êtes assis, là. Moi, je fais le front squat, là, le bicep fémoral touche le mollet. Assis, OK? You going fucking down to hell, OK? Tu t'en vas t'asseoir. OK, je le fais-tu plus lourd, je le fais-tu plus léger? Cet exercice-là, il faut toujours que vous soyez capable de calibrer vos charges pour toujours être capable de garder le corps parfaitement droit. Quand vous descendez, il ne doit y avoir aucune oscillation. OK, si jamais, c'était si jamais ça s'opérait, vous tapez les érecteurs de dos. Vous allez faire la séance de jambes, vous en rendez pas compte, vous vous levez le lendemain, vous allez avoir toute une raideur, vous allez dire « Ouais, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai descendu et je me suis juste incliné. » Non. Parfaitement droit, quitte à remonter les coudes et à descendre la barre encore plus vers la gorge et à regarder vers en haut pour garder le corps parfaitement droit comme si on longeait un mur.
Si vous faites ça, vous renforcez la gaine. Je vais vous le donner, là, j'ai pris des notes. Les pieds, les mollets, toute la cuisse au complet, les érecteurs de dos, tout le gainage, la plateforme dorsale, les épaules, les biceps, le trapèze, le pectoral, la nuque et le système nerveux central. Parce qu'on va vous dire une affaire, quand vous allez vous asseoir entre 250 et 300 livres le cul à terre, faut pas que vous soyez nerveux. On va vous le dire tout de suite, OK? Puis le système de potentiel électrique devient incroyablement élevé. Donc, le reste de la séance d'entraînement, même pour les jambes, devient facile, OK? Parce que le corps a compris. Donc, on peut mettre le front squat, exemple, on peut le mettre en superset, en giant set, en tri-set, en pre-exhausting training. Moi, ce que je vais conseiller pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup ce mouvement-là, n'essayez pas de faire de hautes répétitions. OK? Je crois que cet exercice-là, avec toutes les informations qu'il doit contenir pour être compris, doit être fait dans un axe dans lequel les séries sont courtes. OK? Exemple, série entre 5 et 7. Je parle pas de poids, là. Dites pas c'est 5, c'est lourd. Non, 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 non. Bien fait comme il faut parce que vous avez la barre sur la clavicule. À un moment donné, vous manquez d'air. OK? Bon, mais tu vas dire, hey, je peux pas rester là 4 heures. Là. Vous avez bien raison. OK? Bon. Il y en a qui me disent, ben ça me fait mal dans les épaules. Ben fais-toi plus de muscles. Ça va te passer. OK? À un moment donné, c'est vraiment une question d'habitude. Voilà. OK? Puis moi, je vous dirais, c'est un exercice que je travaille beaucoup. Puis je vais vous l'avouer, là. OK? Ça fait des années que je m'entraîne. À chaque fois que je fais du front squat, j'embarque en dessous de la barre. Je me dis, j'ai peur un peu. OK? J'ai pas une peur de l'échec. J'ai peur parce que je sais que cet exercice-là, il va me rentrer au passe à côté. OK? Donc, je me commets dans ce que je fais. Mais quand j'ai fini, je suis très satisfait. OK? Puis peu importe le type de charge que vous allez pratiquer, il y a plusieurs années, je commençais à m'entraîner. J'étais avec Marc Sauvest dans ce temps-là, au début des années 2000. Puis je faisais ça du front squat. Puis j'ai commencé. Puis je mettais 10 livres chaque côté, là. OK? Parce que je connaissais pas ça. C'est Marc Sauvest qui me faisait essayer ça. Puis je trouvais ça dans mon poche. Puis je trouvais ça plate. Puis je voyais une espèce d'exercice abrutissant qui ça pogne partout dans le corps. C'est désagréable. Non, non. C'est un exercice à cultiver. Quand vous avez pogné le tour de faire cet exercice-là, sérieux, on vous fait faire du squat normal après. Tu dis, ouais. Ouais, c'est quasiment plus un travail de fessier puis de biceps de cuisse qu'à de cuisse. T'as bien raison. Right? OK. Premier exo. Deuxième. J'ai choisi le hack squat, mais pas le hack squat n'importe comment. Pieds style Tom Platz, talons rapprochés, orteils extérieurs, les pieds très bas sur la plateforme. Allez s'asseoir fessier, biceps de cuisse au mollet. We're doing full head down, full, OK? Qu'est-ce que ça fait? C'est comme le front squat, ça fait le quadriceps et le biceps de cuisse. L'amplitude du mouvement est complète. Très agréable aussi d'aller cibler avec le hack squat parce que vous n'avez pas d'implication au niveau, je vous dirais, mettons exemple, de toute la mécanique à tenir une barre. C'est un isolateur de quadriceps. C'est tout ce que ça fait. Donc, on est capable de dire la cuisse au total, le gainage. Vous mettez une bonne ceinture quand vous travaillez, si moindrement vous mettez des poids. Donc, la gaine et les abdos travaillent très fort pour vous tenir. Un très bon contrôle à cet exercice-là. Bien monter, bien descendre, bien comprendre, bien Mathieu Vallée, salut. Donc, à partir de là, je vous dirais, dans l'ensemble, un exercice qui va vous amener aussi à être capable de faire autant de la force que de l'hypertrophie, que de l'endurance. Bon, il y en a qui vont me dire, gars, coach, moi, j'ai essayé les pieds plus bas, ça me rentre dans les genoux. Bien, écoutez, changez votre positionnement de pied. OK? Mais ce que je peux vous dire, c'est que cet exercice-là, même j'ai une de mes athlètes, Émilie Gauvin, appelée communément Flagonneur. Elle me disait tout le temps, j'ai fait du squat lourd dans ma vie, j'ai chargé. Le hack squat, c'est ce qui me permet de mieux centraliser ma jambe. Et si vous regardez à l'aube de l'entraînement des années 50-60, le hack squat existait à ce moment-là, peut-être pas dans la version que vous connaissez aujourd'hui, là, mais du moins, ça a toujours été dans les exercices de jambes à préconiser. Et voire même, pour les gens qui n'ont pas d'appareil hack squat, le hack squat barbell, ce qui ressemble beaucoup plus à un soulevé de terre renversé. Vous me direz, si vous n'avez jamais fait des exercices qui arrachent comme ça, c'est incroyable, OK? Donc, le hack squat dans sa forme old style ou machine est un exercice qui inévitablement vous amènera à développer des jambes, OK? Que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas des exercices d'assistance, c'est des mass builders. Si vous le faites à bord, c'est encore pire. OK, exo numéro 3. Le lying leg curl au dumbbell. J'ai beaucoup de mes clients à qui je prescris ça, puis sont toujours en train de sacrer après moi. Je les comprends, OK? Parce que je vous dirais, la particularité de l'exercice, ce qui est difficile à faire, c'est si vous n'avez pas de partner avec vous, là, c'est d'aller chercher l'haltère entre vos pieds pour vous placer. Ça, c'est un contrat. Ouais, mais il y a vraiment une méthodologie de travail, puis quand vous avez été capable de comprendre comment aller le placer entre vos pieds comme il faut, OK? Le lying leg curl avec un haltère n'a rien à voir avec une machine. Absolument pas. La machine, c'est vous. OK? C'est ça la différence. C'est qu'à ce moment-là, on va travailler beaucoup au niveau de la plante des pieds, des mollets,
la rétroversion de bassin, parce que je le dis toujours à mes gars, quand vous faites un exercice comme celui-là, vous êtes parfaitement allongé sur le ventre, vous tournez les hanches vers en avant, vous serrez le fessier. Bon, je sais pas si ça se dit, c'est comme si vous enfilez le banc, là. Excusez, je sais pas comment vous le dire, là. Bon, ah oui, un banc, bon, c'est ça, parfait, alors c'est à peu près ça. Bon, OK. Puis ensuite de ça, le fessier, les trois têtes du biceps de cuisse, on parle du semi-tendineux, le semi-membraneux, le biceps fémoral et le grand adducteur de la cuisse. C'est assez complet. Pour ensuite travailler beaucoup la proprioceptivité, le ressenti est beaucoup plus incisif et vous avez l'ensemble de tout le haut du corps qui travaille pour vous soutenir. Le lying leg curl est un exercice au dumbbell à faire vraiment, je vous dirais, de façon régulière et de le travailler. C'est pas nécessairement dans l'amplitude, parce que quand vous êtes complètement en haut, vous êtes couché sur le ventre et vous descendez, très important, vous gardez les hanches parfaitement tournées, serrez le fessier très fort, vous tenez le banc avec vos mains en bas, en haut, vous serrez, vous tractionnez le banc vers vous. Tout le haut du corps est en contraction complète, c'est ce qui devient intéressant. Vous êtes la ferrure de porte, c'est carrément ça. Quand vous descendez, il y a vraiment un point, si vous tenez l'haltère, vous allez dire, quand je descends, j'arrive à un certain point, on dirait que je vais l'échapper, même si vous pointez vos pieds en descendant et remettez les pieds en aplat en haut. Parce que c'est comme si vous aviez un verre d'eau entre les pieds. Vous êtes un waiter, vous ne voulez pas le renverser. C'est exactement le même principe. Donc, quand vous descendez, vous allez dire, on dirait qu'il y a une certaine amplitude que je peux me donner, puis une que je ne dépasserai pas. Quand vous remontez, vous êtes couché sur le dos, quand vous remontez, l'haltère est là avec les jambes, le fessier est là, là. Vous n'avez pas à venir porter l'haltère, là. De toute manière, vous allez faire ça, paf, vous allez l'avoir dans le bas de dos. Vous allez l'échapper, vous allez vous mettre un haltère dans le fion. Bon, c'est pas super, hein, on s'entend-tu là-dessus? Je connais pas grand monde qui veulent se faire fister par un dumbbell. Donc, excusez. Donc, on porte une attention particulière à ça, hein, pour pas créer de problématiques. Et voilà, donc ça va nous rendre heureux dans notre vie. Je vous dirais, ce morceau-là, non, Steven, pas un deux livres, ça fera pas. Merci, t'es bien aimable, yes. Oh, show de pro! J'ai du monde qui participe avec moi, hein, yes. Ouais, vas-y, c'est un autre de mes abonnés, M. Bellavance lui-même, yes. Il porte très bien son nom, d'ailleurs. Yes, donc, je vous dirais, avec sa super coupe de cheveux, là, ouais. Yes, il me fait penser à Max Headroom, yes. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, là. Max Headroom, non, je vous rappelle pas? L'annonce de Pepsi. Bon, je suis peut-être trop vieux. OK, c'est bon. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce type d'exercice-là, OK, doit être pratiqué comme il l'a toujours été depuis l'aube du bodybuilding, je vous dirais avec une certaine amplitude et un certain contrôle. Et il n'y a aucun exercice qui va vous permettre d'avoir autant de contractions derrière votre jambe que ce type d'exercice-là. OK? Tu sais, vous le faites sur une machine, c'est tel que tel, une machine couchée, machine debout, machine assise, au dumbbell, imbattable. Moi, vraiment. Puis en plus, en travaillant le grand adducteur, vous allez renforcer le phénomène par lequel vous êtes capable de stabiliser vos genoux. Le fait que vous ayez l'haltère entre les pieds, vous travaillez vos mollets. Donc, attaché au creux poplité, le creux poplité derrière le genou stabilise l'articulation du genou. Donc, c'est vraiment plus qu'un exercice de développement. C'est un stabilisateur articulatoire incontournable. Incontournable. De toute manière, vous allez vous rendre compte que si vous mettez 220 livres sur une machine leg curl, vous ne prenez pas un 90 livres pour le faire avec les pieds, je vous le jure. Vous ne créerez pas à ça. C'est affreux. Moi, je l'ai essayé dans la version plate. Je l'ai essayé dans la version, je vous dirais, déclinée. Plus agressif encore parce que ça vient chercher plus haut. OK? Donc, je vous dirais, les deux sont valables et observables. Très intéressant. N'ayez pas peur de varier cet exercice-là. Vous avez des questions de positionnement ou n'ayez pas peur de communiquer avec moi. Info en commercial, marc-antoine-grondin.com. Je réponds aux questions, ça va me faire excessivement plaisir. Quatrième, incontournable pour le pectoral. Les dips de chest, OK? Avec des poids ou pas de poids, avec des chaînes ou pas de chaînes. Entre autres, il y a environ peut-être un mois et demi, deux mois peut-être, j'ai eu on appelle ça comment? Là, voyons, c'est-tu pas tannant? Là, il donne des soins, là, un physiothérapeute. Oui, j'ai eu mon physio qui est venu ici justement parler un peu avec lui de sa job, etc. Et puis à ce moment-là, bien, lui il me disait tout le temps, moi quand je fais des dips pour le chest, je l'ai juste dans les épaules. J'ai dit, parce que tu es comme ça, puis tu descends droit, le corps devrait être comme ça. Mais il dit, comment tu veux que je me place comme ça? J'ai mis une chaîne autour du cou. On a des chaînes ici, là. Hey, on est au gym Olympe. On est équipés, nous autres, on n'est pas des bisounes. OK, là? On a du vrai matériel pour du vrai monde qui veulent des vrais résultats. Et ça, c'est vrai. All right, c'est bon. Ça, c'est assez vrai. Mais bon, parfait. Hein? Vous approuvez, M. le caméraman. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Donc, du moins, l'idée comme telle là-dedans, c'est qu'en faisant ça, le sujet est comme ça. On a mis la chaîne. Whoop, le corps s'est engulé carrément vers en avant. Descendre, très important, quand vous faites le dip de chest, OK? Souvent, quand vous regardez un rack de haut, les barres sont faites comme ça. Plus large en haut, plus serré en bas. Prenez large complètement au bout, complètement au bout. Je tiens mon poteau dans ma main, j'ai mon pouce au bout.
OK, quand je pars, je croise mes pieds en arrière, je plie mes genoux comme il faut, ceinture de poids ou pas, chaîne ou pas. Première action, tac, s'engager. Vous partez carrément, vous décohabitez vers l'avant. Wow! Collez les omoplates au maximum. Descendez, 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 descendez. Quand les omoplates sont bien collées, vous allez descendre jusqu'à temps que vous allez sentir que le pectoral est parfaitement en étirement. OK? Et le stopper, quand vous arrivez en bas, c'est que les omoplates sont collées. C'est très sécuritaire. Vous ne pouvez pas aller plus bas. Vous avez un stopper. Vous arrêtez de toute façon. OK? Donc, quand vous arrivez en bas, vous poussez pour être capable d'aller chercher. Ça vient vraiment chercher sous le pectoral, mais ça fait bien plus que ça jusqu'à un certain point. M. Baillargeon, bien le bonsoir. Yes, ça va bien? Yes, sir. Donc, ça fait même bien plus que ça, je vous dirais. On le décortique. Je pars d'en haut, je tiens mes poteaux avec mes mains. Renforcement au niveau de l'appréhension de mes mains. Épaisseur au niveau des muscles de mes mains. Ne pensez pas que mes mains étaient comme ça il y a 15 ans. Là. OK? Ils n'étaient pas comme ça. OK, mes mains, avec les années, sont vraiment développées. Il s'est passé quelque chose à force de prendre des poids dans nos mains. C'est ce que ça fait. Je tiens mes poteaux comme il faut chaque côté. Prise relativement très large. L'avant-bras travaille, le triceps s'engage, le devant de l'épaule, le derrière de l'épaule, le e-joint, OK? Toute la coiffe des rotateurs au complet. On part d'en haut, on se met à descendre, on colle les omoplates ensemble, les rhomboïdes, trapèze inférieur 1 et 2, descend jusqu'en bas. Tout le sératum se met étiré, prend la pression pectorale stretch. Quand on arrive en bas, toc! Là, on pousse, en poussant à ce moment-là, le pectoral, le triceps, le derrière des épaules. C'est un exercice qui est un mass builder de base que vous ne pouvez pas enlever. Bon, là, j'ai du monde qui me dit, écoute, moi, j'ai des problèmes de coude, j'ai des problèmes de cou, j'ai des problèmes... OK, OK, vous pouvez le faire tout simplement avec un élastique pour faire une compensation. Vous êtes capable d'enlever du poids. Vous pouvez le faire avec quelqu'un qui va vous donner un spot. Bon, vous allez me dire, ben moi, je sais qu'il y a des machines qu'on appelle des machines contre-poids, qui peuvent m'aider à faire ça. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Par contre, je vous dirais, c'est peut-être pas le top, mais si ça peut vous aider, bon. Mais il y en a qui vont me dire, je l'ai pas, cette machine-là, qu'est-ce que je fais? OK? Passez une bande élastique à l'intérieur du rack et mettez-vous à genoux à l'intérieur. Vous allez voir que tout de suite, vous allez comprendre ce qui est en train de se produire. OK? Vous enlevez du poids sur votre corps, ça va rendre ça beaucoup plus agréable, ça va vous aider. OK? Donc, on ne peut pas passer ce genre d'exercice-là sous silence parce que it's just tied up the whole thing. OK, ça fait tout le haut de corps. C'est très bon. Puis en plus, vous travaillez votre gaine parce que vous êtes en inclinaison. Il faut que vous forciez les érecteurs de dos et la gaine à vous tenir où est-ce que vous êtes. C'est comme quand vous faites le front squat. Je fais du front squat. Des fois, ce qui me break, c'est que ça vient que mes abdos ici en avant, ça brûle tellement que je suis parfaitement droit et contracté. Si vous n'êtes jamais arrivé à ça en faisant du front squat, soit qu'il manque de poids, soit qu'il manque de vouloir. C'est un des deux. OK? Right. OK. Donc ça, je vous dirais ça. Très important de vous rappeler que c'est quelque chose à travailler, c'est incontournable. Bon, il y en a qui vont le faire avec des poids, toujours prudent. Toujours prudent, ceinture de poids. Premièrement, les hommes ne mettaient pas les poids trop proches. Hein? Vous allez avoir un inconfort. Non, mais je vous le dis, tu sais, des fois le monde font comme, tu sais, tu mets la ceinture, puis finalement, je pense qu'on va l'enlever. Ouais, c'est ça, puis t'enlèves la ceinture. Ouais, ça va, je me sens déjà mieux. Bon, ben c'est ça, comprenez, il faut faire attention à ça. C'est niaiseux, mais c'est incommodant, OK? Si, exemple, la tâche est trop lousse, bien, le poids va se balancer comme un pendulum. C'est ça, c'est pas ça que vous voulez non plus, OK? Faire attention à ça. C'est pour ça que cet exercice-là doit être fait avec une cinétique qui est lente et constante, OK? Vous ne swingez pas ça. Partez d'en haut, vous swingez ça là, comme... Bon, je sais pas si je me commets à dire ça, moi, là. Bon, OK, parfait. Bon, tu sais, les crossfiteux, là, puis les crossfitounes, là, bon. Tu sais, là, qui font des pull-ups vers de terre, là, qui sautent partout, là, puis que... Ben, c'est pas ça que ça prend, là. Vous faites pas ça. OK? On fait les choses bien. OK? Donc, à ce moment-là, beaucoup de contrôle à cet exercice-là. Faites toujours attention au poids que vous mettez. J'ai vu des gars devenir très forts à cet exercice-là, mais malheureusement, se déchirer des coiffes de rotateur ou carrément s'arracher des parties de cartilage dans une épaule ou déchirer un labrum. Tu sais, le gars, il est rendu avec un 130 entre les jambes pour faire des dips. Excuse-moi, là, c'est parce que je vais te le dire tout de suite, on va avoir un problème tantôt. OK? Même si tu penses que ton corps, il l'accepte, c'est pas vrai qu'il va l'accepter longtemps. OK? Moi, je vous dirais, dans mes bonnes performances, je peux travailler des fois lourd, là, 100 livres entre les jambes avec deux chaînes autour du cou. Chaîne pèse 25 livres. Là, quand je suis rendu là, là, je vais vous dire une affaire. La série est courte et elle se fait lentement. Puis je fais ça une fois rarement, là. J'aime travailler avec des charges de 25-50 entre les jambes, avec une chaîne ou deux autour du cou. Ça rajoute beaucoup d'aplomb dans le mouvement, ça se fait bien. Je commence toujours le mouvement avec aucun poids. J'en fais toujours 4-5, juste pour valider le mouvement, descendre comme il faut, comprendre. C'est comme le front squat, c'est comme tous les exercices que vous faites. Le front squat, vous n'avez jamais fait.
Vous prenez la barre à vide, vous l'installez, vous vous placez, cherchez votre position de contact, prenez votre temps, prenez à respirer, prenez tout votre air en descendant. Quand le passage se fait, expirez votre air, etc. Assurez-vous toujours d'avoir des bons conseils quand vous vous entraînez pour performer vos exercices comme il faut. OK? Toujours pour le pectoral, un incontournable, le bench press. Le bench press peut être un exercice autant pour un novice, autant que pour quelqu'un qui fait de l'élitisme. Je m'explique. Quelqu'un qui commence à s'entraîner n'a pas de stabilité. Quand on y met une barre dans les mains, on est parfaitement capable de savoir s'il y a un côté qui force plus que l'autre. On s'en rend compte, premièrement. Deuxièmement, ensuite de ça, ce qui est bien important, c'est que quand vous performez le bench press, c'est un exercice que quand vous allez le descendre sur vous, il est l'antagoniste d'un mouvement de dos. OK. On se place directement sur le dos. OK. La barre est placée en dessous des yeux. Les petits doigts directement sur les encoches de chrome au maximum. Vous m'avez déjà vu, j'ai déjà fait une capsule là-dessus. Vous devez reculer le corps complètement en arrière, vous asseoir en arrière de la barre. Gardez les pieds là pour vous ravancer et gardez les pieds parfaitement en dessous du banc pour que le corps fasse un pont. C'est obligatoire. Pas un pont pour vous casser lombaire, un pont, OK? Alors, à ce moment-là, quand vous descendez la barre sur vous, parce que la barre n'est pas un mouvement qui est parfaitement, OK, vertical. Tu sais, si vous décollez la barre à hauteur des yeux puis elle descend sur le pectoral, la barre, son mouvement, c'est ça. Et le corps est placé en demi-cercle. Donc, c'est deux dynamiques qui se rencontrent et là, on a une meilleure explosivité, OK? Sinon, ça équivaut à laisser tomber une bille sur une feuille de papier, OK? Hey, je sens le banc juste dans mes épaules. Il n'y a aucun dynamisme dans ton mouvement. OK, premièrement. Deuxièmement, quand vous décollez la charge, clic, vous mettez les omoplates ensemble. Automatique. Automatique. Vous ne faites pas ça, vous êtes batté, c'est fini. OK, vous ne pouvez pas faire ça. Moi-même, souvent, ce que je vais faire quand je commence le banc, je sors la barre, clink, je colle mes omoplates, clac, je le remets. Clink, je colle les omoplates, clac. Je vais en faire une dizaine comme ça, juste pour créer un effet, je vous dirais, comme si c'était inné de faire un peu ce type de mouvement-là. Comprenez bien mon propos, là, OK? Ensuite de ça, on charge tranquillement jusqu'à temps qu'on arrive au poids qu'on veut. J'ai déjà fait des capsules là-dessus, on a déjà parlé, c'est ce qu'on appelle le principe du progressive load, le progressive ignition. Alors, allumage, technique, tranquillement, jusqu'à temps qu'on ait trouvé le bon poids. C'est bien important. Vous ne partez pas à frette, là. Il y a bien des affaires dans votre vie que vous ne partez pas à frette, là. Tu n'arrives pas un soir à côté de ta femme, « Salut! Ah, ah, ah! » Bon, ça marche pas, ça. OK, c'est pas ça que ça prend. Bon, il y a comme un il y a comme une entrée en matière, là, comprenez, là. Bon, avant d'entrer la matière. Bon, voilà. OK, donc, ça va de pair. Voilà, voilà. OK, bon. Donc, excusez. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est le bon mot. Merci, Steven. Préliminaire, parfait, voilà. Donc, alors, le bench press, c'est comme faire l'amour. Hein, ça prend un préliminaire. Et voilà, parfait, bon. Alors, je l'ai dit, je l'ai dit. Et voilà, je l'ai dit. OK, bench press. Force, explosivité, masse. Derrière d'épaule, dos, rhomboïde, érecteur de dos, trapèze inférieur 1 et 2, triceps, pectoral, avant-bras, mains, fessiers, biceps de cuisse, quadriceps, mollets, gainage. Il y en a qui vont me dire autant que ça. Quand tu es placé sur le dos en position recherche de force et que la barre est décollée, les pieds sont dans le sol, les orteils sont pointés, le mollet est galbé, la jambe pousse vers en avant, le quadriceps est en tension, le biceps de cuisse tient le corps là parce que le fessier pousse et est contracté. C'est pour ça qu'on met une ceinture, parce que les érecteurs de dos vont avoir tendance à vouloir se surcontracter. On est parfaitement étiré, les deux omoplates sont parfaitement collées comme un mouvement de dos. Quand j'ai ma barre avec moi, triceps, avant-bras, tout tient ça avec le pectoral devant d'épaule, derrière d'épaule. OK, on descend. Quand on descend, une partie du biceps va le prendre. J'arrive directement à la barre, touche le pectoral. Là, il n'est pas bon, là, qui arrête là, là, arrêtez ça tout de suite. Là. OK? Moi, j'en vois, là, ça met du 2 plaques 25. Ah, yes. Non, 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 non. C'est pas ça, là. Tu sais, c'est un slingshot. Vous faites le mouvement d'un coup sec. Vous le décollez, les omoplates sont collées. Vous prenez votre air, vous touchez le pectoral. Pouf! Là, on ouvre la machine et on le pousse. OK? Toujours avec beaucoup de contrôle, c'est super important. Il n'y a absolument aucun muscle qui n'a pas travaillé dans ce mouvement-là. Et c'est le même principe qu'un mouvement de dos. Dans le fond, la barre, c'est fou ce que je vais vous dire, là. Dans le fond, la barre, vous ne la descendez pas sur vous, vous la tirez. OK? Il y en a qui vont dire que me semble que c'est failé comme vision. Oui. OK? Je prends la barre, je la tire sur moi, pow! Je la tire sur moi, pow! Comme ça, j'y arrive. Si je fais descendre la barre sur moi, je suis dans le trouble. Parce que ça se peut que je reste en bas. Et ça, je veux pas ça. Parce que ça fait mal à l'ego. Hein? C'est super important. Le gars, il part, je vais tout arracher, il met trois plaques. Pouh! Salut! Et voilà, barre parfaite, t'étais pas bon.
Ben, t'es pas bon. Écoute, c'est parce que c'était pas le bon poids. Bon. Donc, du moins, c'est un mass builder de base très important. Ne l'enlevez pas de vos entraînements et s'il vous plaît, ça, c'est dans ma croyance personnelle, OK? Mais s'il vous plaît, mesdames, ne faites pas de pectoral. S'il vous plaît, la gravité va les ramener de toute façon. Ne faites pas ça, OK? Bon. Moi, j'ai des femmes qui me parlent, là. Je veux dire, ils ont rendu les auréoles ici, là. Bon, OK, c'est pas le délire. Donc, à partir de là, ce qu'on fait, je vous conseille pas ça. OK, vous faites du dos, le pectoral travaille par intérim. Vous faites les triceps, vous faites un paquet d'exercices d'épaule, le pectoral travaille par intérim. Ce qu'on veut, c'est avoir un buste qui est rond, qui est centré, etc. Alors, ne tirez pas la gravité vers en bas. Ne faites pas ça, OK? Puis de toute manière, ça fait drôle. Et tu vois, la fille avec une veine, c'est strié, c'est répulsif un peu, hein? T'as beau y mettre un porte-jartel, là, non, ça marche pas du tout, non? Tu sais, c'est un sein carré avec un dépel, me semble, ça marche pas du tout. T'sais, on dirait que tu manges des gaufres. Non, ça marche pas, du tout. Excusez. OK, on continue. Yes, OK. Exercice numéro 6 pour le pectoral, M. Bellavance. Bonne fin de soirée, yes, sir. Yes. Le pullover. Le pullover est un exercice qui, dès l'aube de l'entraînement, il y a plusieurs dizaines d'années, est un exercice d'abord. Il y avait même un banc qui existait pour le pullover avant, qui a complètement disparu aujourd'hui, qui était un banc qui était complètement fait un peu comme un J, OK, monté sur un aplat. Et le sujet se couchait sur le dos. C'était capoté, là. Tu sais, alors, on avait vraiment, je vous dirais, une courbure lombaire prononcée. Le barbel se prenait à partir du sol et on le remontait avec les bras droits jusqu'en haut du pectoral pour aller le porter au plancher. Bon, c'était peut-être extreme un peu, là. OK, on s'entend. C'est pour ça qu'avec les années, ils se sont rendus compte que, excusez l'expression, c'était peut-être plus un décollisseur de lombaire qu'un ouverteur de cage thoracique. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est fait à partir de là? On a fait des variations. Le pullover peut être fait sur un banc en aplat, OK, sur un banc décliné. Je vous dirais sur un banc incliné. Je vois pas en quoi ça y amène un plus-value. T'sais, moi, des fois, là, les savants là, qui s'inventent des affaires, « Ah oui, un pullover incliné, 28 degrés! » Non, non, regarde, excuse-moi, gros, là. Soyons classiques et traditionnels, gardons l'optique de base, s'il vous plaît. Collons à la réalité, OK? Pour pas avoir l'air colon, justement. Ah, la pognez-vous! Colon, bon, d'accord, c'est bon, OK. C'est bon, en tout cas, au moins, monsieur le caméraman le rit, c'est déjà bon, parfait, fantastique, merci. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, avec un halter, allez porter complètement en arrière. Ne pliez pas les bras. Il y en a qui me disent, je fais du pullover. Ah, je t'ai pas de mettre un 90-100 livres. Christy, tu fais ça comment? Mais ben là, tu le vois partir avec son halter, il plie ses bras et il pousse. Non. Couché sur le dos, garde l'halter dans tes mains, va porter les bras droits en arrière. À un moment donné, tu vas commencer à sentir que tu t'es allongé. On revient et on pousse complètement vers le plafond, parce que this is dual action. Quand vous descendez l'haltère en arrière, vous étirez au niveau du lat, OK? Tout le lat au complet. On descend, ouverture de la cage thoracique, étirement au niveau des intercostaux. On descend, étirement du pectoral jusqu'en haut. Même moi, je vous dirais, en fait, session de training de chest, quand je fais ça, c'est pas des jokes, là. Je descends, là, j'ai le pectoral qui m'accote les carotides, là. Je suis à côté, là, puis c'est normal, OK? Bon. Donc, vous revenez et vous poussez vers le plafond. Peut-être fait avec un barbel, mais peut-être un petit peu plus l'emphase au niveau du dos. Monsieur le caméraman, vous ne mangez pas de manchon en arrière de la tête, ça va, c'est bien parfait. Non, tu sais, des fois, c'est parce que Guillaume, c'est un enragé, il va mettre 200 là-dessus, là, quand ça va se calmer. Là. Donc, du moins, je vous dirais, ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'avec le barbel, quand vous allez le porter en arrière, vous avez un stretching qui est complet. Okay, vous revenez parfaitement au-dessus du pectoral, toujours en contractant le pectoral de façon volontaire. OK? Peut-être fait aussi, exercice qui date de jadis, là, vraiment oublié, two arms pullover avec deux haltères, très intéressant à pratiquer. Aller le porter en arrière, revenir les bras légèrement fléchis, proche du pectoral, contraction volontaire, stretch, retour, contraction volontaire, stretch, revenir, contraction volontaire. Très intéressant pour des gens qui peuvent avoir des problèmes articulatoires ou d'emboîtement, ou des gens, exemple, qui ont des sensibilités au niveau des avant-bras, des coudes, etc. Peut faire une très bonne différence parce qu'on peut les manipuler, les anguler comme on veut. C'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. Et vous avez, en exclusivité, au Club Olympe, 3055, local 114, boulevard Amel à Québec, un machine pullover hammer string incontournable. Incontournable, vous vous présentez comme un joueur qui est sérieux, vous ne pouvez pas parler autrement.
que si vous avez un vrai bon machine pull-over, vous êtes capable de tirer fort, le mouvement va se finir en bas comme un rowing, ça épaissit le bas du lat, ça étire la cage comme il faut. Donc, je vous dirais, dans l'ensemble, le pull-over est vraiment un exercice qui va faire en sorte de volumiser la cage thoracique, donner beaucoup plus de prestance, justement, à partir de l'eau pectorale et faire en sorte qu'on est capable de construire un physique qui est beaucoup plus esthétique et dont la ligne est beaucoup plus prononcée. Suite à ça, je vous dirais, vous avez un culturiste professionnel qui, bon, écoutez, moi, mon meilleur, ce sera toujours Arnold Schwarzenegger, c'est personnel. Mais je vous dirais que personnellement, pour la candeur de l'athlète, sa dévotion, son implication, son sérieux, sa méthode de travail, surtout et d'abord et avant tout, même étant un des meilleurs champions qu'on a jamais vu, qui est l'humilité de cet athlète-là, il a développé certains types de mouvements clés. Et moi, j'aime bien travailler comme lui parce que même si c'est effectivement pas le même genre de masse, je suis quelqu'un dont la physionomie ressemble beaucoup à ce gars-là, OK? Fort des cuisses, du dos, du pectoral, les bras accompagnent le physique avec l'épaule, point. Taille, pas nécessairement fine, mais je vous dirais qu'il accompagne le physique aussi. OK, donc je vous dirais, c'est un culturiste sur qui je me suis souvent gaugé un peu pour des mouvements, etc. Et j'ai nommé Dorian Yates lui-même, the man from England, OK? Donc, Yates a développé un type de barbell row, ce qu'on appelle le bent-over barbell row, le power bent-over barbell row en inclinaison à 70 degrés. C'est où, coach, 70 degrés? 70 degrés quand vous êtes debout avec le barbell dans vos mains, creuse le bas du dos, sort le fessier, les jambes largeur des hanches, on s'incline vers en avant, pousse le fessier vers en arrière, creuse le bas du dos, sort le fessier, la barre longe les jambes et les mains descendent environ à hauteur des genoux. Vous arrivez à hauteur des genoux, c'est correct, c'est beau, c'est 70 degrés. Vous allez me dire, ouais, on n'est pas incliné tant que ça. Non, non, c'est un rowing. Comme si je le faisais avec un triangle sur une machine, mais je le fais avec un barbell. La barre ne quitte jamais les jambes. Elle longe, elle glisse sur les vêtements. Je sais, j'ai déjà passé une paire de pantalons, je dis fini. Bon, OK, correct, OK, ça frotte, c'est normal, bon, c'est bon. Mais je vous dirais que ce mouvement-là, travailler avec les jambes, OK, le power bent over incliné 70 degrés Yates, OK, est un mouvement de mass building incontournable. Il est comme le front squat. Il n'y a pas un morceau de votre corps qui ne travaille pas. Quand vous avez fait un exercice comme celui-là, vous savez très bien ce qu'on pourrait dire. C'est quoi forcer? Peut être fait en supination, en pronation. Moi, je vous conseille plus la pronation. OK? C'est quand on parle de charge de 3 plaques 25, 4 plaques, la pronation avec les straps, moi, je vous le conseille. Même avec les straps, les mains vont travailler. Ça fait tout le corps au complet. Si vous avez un exercice de dos à choisir, c'est bien celui-là. OK? Suite, je vais regarder. Oui, oui, effectivement. Bon, écoutez, il y en a un que je peux vous donner aussi qui va toujours accompagner tout ça. C'est tout ce qui est tirage. OK? Que ce soit des chin-ups, des pull-ups, du lat pull-down, etc. Ce sont des exercices qui vont sculpter le corps, qui vont développer des biceps, qui vont définir, qui vont sculpter. Mais d'abord et avant tout, si vous voulez créer de la masse métrique, de l'épaisseur dans votre corps, le power bent over barbell row à 70 degrés, style Dorian Yates, incontournable. Ça fait des années que je pratique cet exercice-là. C'est vraiment, c'est dans mes préférés, je l'avoue. J'aime vraiment cet exercice-là. Et j'aime Dorian aussi, effectivement. OK, il y en a qui vont dire, ouais, c'était pas le physique le plus esthétique. C'est l'athlète le plus dévoué que j'ai jamais vu. Lui, c'était pas un faux, OK? Oui, il est sur le produit, oui, il est dosé. Ouais, mais lui, tu le regardes s'entraîner, puis tu dis, OK, c'est correct, c'est beau. C'est correct. Il a beau prendre des produits. Tu peux pas être gros de même. Il force ce gars-là. Il travaille comme un enragé. Okay? Il fait peur aux machines. Il rentre dans le gym, le leg press pour se cacher. Tu comprends-tu? Là, c'est quelque chose. Okay? C'est quand tu dis que c'est rendu que les plaques si, se confondent avec les murs pour se faire pogner. Là. Okay? C'est toute une bête quand même. Okay. Exercice numéro 9. Standing. Okay. On a le standing, le huitième, excusez-moi. Standing barbell press to front. Le développé debout militaire avec une prise serrée à l'épaule, OK, poussé au-dessus de la tête. Intéressant, poussé au-dessus de la tête parce que la charge placée environ, je vous dirais, de 3 à 4 pieds au-dessus de vous, maximum, fait en sorte que vous avez à stabiliser tout le corps au complet, des orteils aux oreilles, tout travaille sur votre corps, le biceps, le triceps, derrière l'épaule, les érecteurs de dos, le trapèze au complet, tout le corps travaille en interactivité pour être capable de développer la charge. On peut le faire comme un push-press en travaillant avec les jambes et en accélérant la charge, mais vous êtes capable de le faire aussi. Et moi, c'est comme ça que je le pratique, OK, sans aucune poussée avec les jambes. On est statique, debout, vous avez la barre sur vous, vous l'accotez directement au niveau du pectoral dans la clavicule au sternum. Vous placez les coudes en avant comme un haltérophile, la barre est sur vous et vous vous angulez légèrement vers l'arrière. Ça vous prend une ceinture, hein?
comme le front squat, ça vous prend une ceinture. Comme le bench press, ça vous prend une ceinture. Évidemment, je ne vous parle pas de mettre un 25 chaque côté. Là. C'est à un moment donné, quand tu charges, il faut que tu attaches. Okay? Vous avez la barre avec vous. Pousse! Retour directement. Il n'y a que les bras qui vont travailler lentement. On ne se dépêche pas. Si je le fais, exemple, pour la force, souvent, ce que je peux faire, je vais le travailler un peu plus avec mes jambes. Puis de la minute que j'arrive à hauteur de la tête, je le remets sur moi. À ce moment-là, valser avec deux plaques, c'est une formalité. Okay? Et si vous le travaillez comme ça, pour le pousser au-dessus de la tête, quand vous frisez entre une plaque 25 et une plaque 35, ça commence à être assez honnête au-dessus de la tête. Là. Pas de poussée de jambes. Okay? C'est vraiment des exercices qui définissent tout le corps au complet. C'est des exercices « they just take the body down to ground ». OK, donc, vous n'avez même pas le choix d'inclure tout ce que vous avez dans votre corps pour travailler ça. Comme l'exercice numéro 9, qui est le barbell press back. Le barbell press back sans appui dorsal. Assis sur un banc, dans une cage à squat, sort la barre, descend derrière la tête et pousse. OK? On peut le faire aussi dans un Smith Machine. C'est peut-être, je vous dirais, un des rares avantages que je trouve à ce genre d'appareil-là. Je ne suis pas un fanatique. Moi, je vois ça comme un gros machine multipress. Moi, je vois ça comme ça. Bon. Je vous dirais, j'en ai encore fait ce matin, j'aime bien ça. C'est fou ce que je vais vous dire, j'adore cet exercice-là parce qu'il travaille mes biceps. Quand vous descendez avec la barre derrière la tête comme ça, le biceps est parfaitement étiré. C'est surprenant comment ça sculpte le bras. Vraiment, le triceps s'engage, l'avant-bras, la main. Quand vous descendez, les omoplates sont toujours collées, vous poussez, les omoplates sont toujours collées, vous êtes assis. La seule chose qui peut faire en sorte de vous tenir, c'est votre gaine puis vos érecteurs de dos. Les orteils poussent dans le plancher, le mollet est en tension, la cuisse est soutenue, tout est en tension. Descend derrière la tête, accote la barre au trapèze, complètement en bas, pou! Accote la barre au trapèze, pou! On y va tranquillement. Bon, il y en a qui vont me dire, gars, moi, coach, je peux pas me rendre là. J'ai pas de confort, OK. À partir des oreilles, ça vous appartient. Je vais-tu un petit peu plus là? Est-ce que j'arrête là? Arrêtez pas là. Bon, si vous faites du power, ça se peut des fois qu'on dise, OK, on va le charger à côté, on descend lentement, j'arrive au-dessus de la tête, paf! Paf! C'est une méthode de travail, c'est différent, c'est avancé, c'est pas la même chose. Si vous le travaillez pour aller avoir plus de rondeur au niveau de l'épaule et de détacher, faites un mouvement complet, OK? Tu sais, je peux faire du front squat power dans lequel je vais aller m'asseoir, puis quand je remonte, je suis juste trois quarts. Passer le 90 un peu en haut, je me rassois. Passer le 90, donc le mouvement est toujours incomplet. Je peux charger comme un cochon, puis je ne le fais pas nécessairement pour le mouvement comme tel. Je le fais pour aller chercher de la masse métrique. Si je le fais complètement, mes charges vont varier un peu, peut-être 15 % de moins, mettons exemple. Par contre, d'un autre côté, ce qui va s'avérer intéressant, c'est qu'à chaque fois que je vais remonter en haut, comme le front squat, vous tournez les hanches, vous resserrez le fessier, vous replacez la colonne dans l'axe, c'est super important. OK? C'est comme quand vous allez faire le barbell press back, vous êtes parfaitement assis, la barre est en haut, vous la décollez, le corps est parfaitement droit, gardez le corps droit, la barre s'en vient derrière la tête, pow, on pousse. Ça vous force à contrôler votre mouvement, pas d'appui dorsal. Arrêtez de faire ces mouvements-là avec un appui dorsal. C'est facile. Je m'enligne dans un rack, je fais du développé en avant pour l'épaule. Mon Dieu, j'ai un appui pour le dos. Oubliez ça, là. Je veux dire, à une plaque 25, deux plaques, là, je veux dire, il se passe rien, ça va, là. Tu sais, je le torche dans la barreure. OK? Assis, pas d'appui dorsal, c'est un autre game. Tu sais, peut-être que mon deux plaques, à place de le sortir du coup, m'a le sortir 4-5 coups. Vous voyez un peu ce que je vous dis? Vous voyez, il y a une grosse différence. Mais encore là, on parle d'adaptation de mouvement à des phases d'entraînement correspondantes. OK? Mais ce sont des incontournables. OK? Dixième, un des exercices comme Mass Builder, qui est, je pense, le plus sous-estimé, le Standing Barbell Shrug. OK? Ouais, c'est juste des trapèzes. Non. Vous ne comprenez pas, là. Vous avez la barre dans vos mains. Vous vous groundez directement les pieds au plancher. Sors la poitrine, recule les épaules. Accote le triceps dans le lat comme il faut. Ceinture attachée dans le fond. J'ai 300 livres dans les mains. Je suis parfaitement debout. À 200, je viens de monter à 500 livres de poids de corps. Pouh! Je suis à côté dans le plancher. Clic, on monte en haut. Clic, on monte en haut. C'est un exercice qui épaissit la masse musculaire globale de tout le corps. OK? Si vous voulez compléter un genre de training, exemple, avec un exercice pour vous volumiser, le shrug barbell est incontournable. Incontournable. Il y a des gens qui disent que ça fait juste des trapèzes. Ça fait bien plus que ça. OK? T'sais, si dans la même séance, exemple, vous me faites un pull-over, vous me faites, exemple, mettons, un front squat, puis vous allez faire un shrug barbell avec un bent-over barbell, mais vous jurez une affaire, vous sortez du gym, vous sentez pas de même. OK?
ou vous partez en politique puis vous vous sentez à peine même. C'est bon? C'est bon. Oui, oui, monsieur le caméraman est parfaitement d'accord. OK, right, OK. Bon, puis, j'étais supposé vous faire les 10 exercices, mais écoutez, j'en ai deux autres que je vous propose parce que je trouve qu'ils sont super importants. OK? Le leg press. Bon, il y en a qui vont me dire le leg press. Ça dépend toujours comment est-ce qu'on vous l'enseigne, OK? Moi, quand j'embarque au leg press, que les pieds soient plus hauts, plus larges, en bas, sur la plateforme, au centre, la première chose que je fais, je lève légèrement mon banc, je suis parfaitement assis, les pieds en plein milieu de la plateforme, j'enlève les sangles chaque côté, j'enlève les freins, et là, quand je les tiens avec moi, je tire avec mes bras pour coller mon fessier dans le banc, je colle les omoplates ensemble, je contracte le triceps, le pectoral, les épaules, les abdos, tchac! Je deviens comme une roche, le block stopper, c'est moi. La charge descend vers moi, je contracte. Je contracte tout ce que j'ai, la charge arrive sur moi, pow! Pow! Là, je suis capable de la pousser comme il faut. Parce que je suis celui qui arrête la charge en bas. OK? Vous sortez de là, vous êtes contracté à grandeur. Alors, si ça ne vous donne pas ce feeling-là quand vous faites du leg press, bien, je m'excuse, mais je vais vous demander de faire des correctifs ou de changer d'entraîneur parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Ou monter vos poids parce que vous n'êtes pas dedans, OK? Dernier pour aujourd'hui, tout simplement, un exercice qui sort vraiment des années 60 et que j'adore pratiquer, surtout pour le bras, c'est le lat pull-down curl. Le lat pull-down curl avec une prise renversée, largeur des épaules, quand vous tirez vers vous, ça s'apparente à un lat pull-down en supination. Mais ce n'est pas le dos que vous travaillez. Quand vous le tirez vers vous le tirez de façon automatiquement droite jusqu'à temps que vous arriviez à hauteur des épaules. Et rendu là, vous essayez de le tirer vers vous pour contracter le biceps volontairement. C'est surprenant comment on est capable de mettre des poids. Vous le travaillez relativement très lentement. Quand vous arrivez en bas, vous contractez volontairement le bicep. N'inclut pas l'avant-bras, OK? Travaille au niveau de la main et n'est qu'un isolateur principal du bicep. C'est un exercice qui volumise facilement, qui étire, qui contracte, avec lequel on est capable de mettre des bons poids pour travailler comme il faut. Si j'avais jamais fait ça, vous passez à côté complètement. C'est un des meilleurs curls que vous ne pouvez pas avoir pour faire des biceps. Comme exemple, quand vous allez faire des chin-ups renversés, tu sais, ça vous pompe le biceps, ça fait des bras faire ça, là. Tu sais, dans un training de biceps, on peut mettre des chin-ups avec une prise renversée, ça serait brillant, là. OK, right? Donc, je vous dirais, c'était mes exercices pour aujourd'hui. Alors, petite capsule qui est un petit peu plus courte que les autres, mais du moins, je vous dirais, c'est l'automne, on entre au gym, on recommence la mise en forme, la température nous le permet, c'est la période de l'année où on n'a pas le choix, il faut y aller. Et dites-vous une chose, si vous êtes en train de regarder le show, c'est que de toute évidence, vous vous êtes avoué que ça ne sera jamais facile, que les efforts seront multiples et que même si vous êtes le meilleur disciple, seuls les plus travaillants y parviendront en gagnant et non pas en survivant. Right? OK. Alors, pour les semaines à venir, pour les trois prochaines semaines, trois sujets différents. Les muscles qui tendent à ne pas vouloir se développer. Ça, on va regarder ça, on va en parler. Il y a peut-être des méthodologies de travail différentes des autres. Puis, ça revient souvent, il y a souvent des groupes musculaires qui sont rébarbatifs. On va regarder ensemble. Le dopage est essentiel à la performance. Pourquoi? Moi, je m'en cacherai jamais, vous le savez. Moi puis la sauce, on se connaît. Donc, à partir de là, on est capable d'en parler. Oh, ça du pro! Faut dire les vraies affaires, right? Et ensuite de ça, les morphotypes, existent-ils vraiment? OK, les ectomorphes, les mésomorphes, les... C'est-tu vrai, ça? C'est-tu vrai, ça, ou tout simplement, c'est juste la game de, du gars qui veut rester gros puis qui veut pas se dégraisser, ou c'est le gars qui arrête pas de trop en faire dans sa vie puis qui a beau manger, qui grossit pas? C'est une question d'ossature, c'est une question... On se le demande encore aujourd'hui parce qu'on est capable de prendre des gars gros comme ça puis de monter des bons physiques, puis on est capable de prendre des gens qui sont relativement adipeux puis de les tailler pour en faire des super bons physiques. Donc, ça veut dire quoi, rendu là? Métabolise plus vite, moins vite, etc. Beaucoup de questions sont encore en suspens et ça nous fera plaisir de répondre à tout ça avec vous au show du pro. Alors, directement live du gym Olympe, gym semi-privé, le seul gym à Québec où vous êtes capable de vous entraîner, on vous attend. J'ai une vingtaine de personnes qui sont abonnées. Je vous attends encore, j'ai de la place. Venez chez nous, venez faire votre tour. Je donne un essai gratuit à tout le monde. Venez en profiter. C'est comme si vous étiez chez vous, mais avec les conseils d'un professionnel. Ne soyez pas timide ou ne soyez pas intimidé. Tous, vous êtes les bienvenus. Débutants, intermédiaires, avancés, powerlifters, culturistes, travelots, n'importe qui, ça tout passe. Hein, c'est ça, c'est en plein ça. Et voilà, yes, yes, OK? Moi, je suis tout le temps là avec vous autres, je peux vous aider. Mon travail, c'est de vous voir réussir. 3055 Boulevard Amel, local 114, le gym Olympe, le gym semi-privé. Où est-ce qu'on fait notre show live? On se revoit la semaine prochaine au Show du Pro!